السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن بدری صحابی کا ذکر ہوگا. Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Talha bin Ubaydullah. Talha appartenait à la tribu Banu Taym bin Mura. Son père se nommait Ubaydullah bin Othman et sa mère se nommait Sahba. Elle était la fille d'Abdullah bin Imad Hadrami et la sœur d'Ala bin Hadrami. Talha avait pour nom d'emprunt Abu Muhammad. Le père de Talha Hadrami se nommait Abdullah bin Ibad Hadrami. Ala était de Hadramaut et était l'allié de Harb bin Umayya. Le saint prophète Muhammad, paix soit sur lui, l'avait nommé le gouverneur du Bahreïn. C'est un poste qu'il a occupé jusqu'à son décès. Il est décédé en l'an 14 de l'Hégire lors du califat d'Omar. Un de ses frères, Amir bin Hadrami, était mécréant et a été tué à Badr. Son autre frère, Amr bin Hadrami, était le premier mécréant tué par un musulman. Et ses biens étaient les premiers à tomber dans la catégorie Khums en islam. Talha était apparenté au saint prophète Mohammed paix soit sur lui par Murar bin Ka'b, son aïeul de la 7e génération. Et il était apparenté à Abu Bakr par sa 14e génération. Son père, Ubaydullah, n'a pas connu l'époque de l'islam, mais sa mère a vécu longtemps. Et elle a accepté le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et faisait partie de ses compagnons. Elle avait embrassé l'islam avant l'émigration. Talha bin Ubaydullah n'avait pas participé à la bataille de Badr, mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui avait offert sa part du butin. Voici la raison pour laquelle il n'avait pas participé à la bataille de Badr. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait estimé le départ de la caravane des Quraychites de la Syrie. Et 10 jours avant son départ de Médine, le saint prophète avait envoyé Talha bin Ubaydullah et Saïd bin Zayb pour s'informer à propos de la caravane. Tous deux sont partis et ils se sont arrêtés à Hawra et la caravane est passée à côté d'eux. Hawra est un lieu de campement sur la côte de la mer Rouge où passent les caravanes en partance du Hijaz vers la Syrie. En tout cas, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait eu des informations à propos de la caravane avant le retour de Talha et de Saïd.
Il a pris ses compagnons et ils sont sortis à la poursuite de la caravane. Mais celle-ci a pris la route côtière rapidement. J'en avais fait mention dans le passé. Le caravane voyageait matin et soir afin d'éviter ses poursuivants. Talha bin Ubaydullah et Sayyid bin Zayd sont retournés à Médine afin d'informer le saint prophète Mohammed bissos à lui. Mais ils ignoraient que le saint prophète bissos à lui était déjà parti pour Badr. Ils sont arrivés à Médine le jour où le saint prophète Mohammed bissos à lui s'était battu contre les Qurayshites à Badr. Ils sont arrivés à Médine le jour même où le saint prophète Mohammed bissos à lui s'était battu contre les Qurayshites à Badr. Ils ont quitté Médine pour partir à la rencontre du saint prophète Mohammed bissos à lui et ils ont rencontré le saint prophète à Turban, une vallée située à 19 milles de Médine où se trouvent de nombreux puits d'eau douce. Le saint prophète Mohammed bissos à lui s'était arrêté là en partance pour Badr. Talha et Saïd n'avaient pas participé à la bataille de Badr, mais le saint prophète Mohammed bissos à lui leur avait offert leur part du butin de Badr, comme je l'avais mentionné. Ainsi, ils sont comptés parmi les vétérans de Badr. Talha avait participé à la bataille d'Uhud et aux autres batailles. Il était aussi présent lors du traité de Hudaybiya. Il faisait partie de ses 10 compagnons à qui le saint prophète Mohammed bissos à lui avait donné la bonne nouvelle du paradis au cours de leur vécu. Il était parmi les 8 premiers à avoir embrassé l'islam en premier et il faisait partie des 5 à avoir embrassé l'islam par l'entremise d'Abu Bakr. Il faisait aussi partie du comité de la Shura composé de 6 personnes instituées par Omar. Au moment de son décès, le saint prophète Mohammed bissos à lui s'était dit satisfait de ses compagnons. Yazid bin Rouman relate, une fois Ousmane et Talha bin Ubaydullah ont suivi Zubair bin Awam et ils se sont présentés au saint prophète Mohammed bissos à lui. Le saint prophète Mohammed bissos à lui leur a présenté le message de l'islam et il leur a récité le Saint-Coran et il les a informés à propos des droits de l'islam. Le saint prophète, bissos à lui, leur a promis l'honneur que leur réservait Dieu. Sur ce, Ousmane et Talha bin Ubaydullah ont embrassé l'islam et ils ont témoigné en faveur du saint prophète Mohammed, bissos à lui. Sur ce, Ousmane a dit : je reviens à l'instant de la Syrie et je me suis arrêté à Maran en cours de route. Maran est situé avant Mauta. Quand les musulmans avaient atteint ce lieu avant la bataille de Mauta, ils ont su que 200 000 Byzantins s'étaient apprêtés à se battre contre eux. Ainsi, les compagnons avaient campé à Maran durant 2 jours. Ousmane ajoute donc, « J'avais campé entre Maran et Zarqa, situé non loin de là. » J'étais endormi quand j'ai entendu quelqu'un annoncer « Oh, vous qui dormez, réveillez-vous !» Ahmad est apparu à la Mecque. Et quand nous sommes rentrés à la Mecque, nous avons entendu parler à propos de vous. Talha bin Ubaydullah relate ceci. J'étais à Bousra, une ancienne ville de la Syrie, en compagnie de mon oncle, pour un voyage commercial. J'étais dans le marché de la ville quand un moine d'une synagogue s'enquérait si un des gens de la caravane arabe était de la Mecque. J'ai répondu que j'y étais originaire. Il m'a demandé si Ahmad était apparu. J'ai demandé « De quel Ahmad parles-tu »
Le moine a répondu, le fils d'Abdullah bin Muttalib. Nous sommes au cours du mois de son apparition, il sera le dernier prophète. Il apparaîtra dans l'enceinte sacrée de la Kaaba et il émigra dans une ville de palmeraies et de terre rocailleuse. Tu ne dois pas l'abandonner. Talha ajoute, ces propos m'ont pénétré le cœur. Je suis reparti rapidement à la Mecque. Et à la Mecque, j'ai demandé s'il y avait quelque chose de nouveau ici. On m'a dit que Mohammed bin Abdullah Al-Amin, comme le nommaient les Mécois, s'était réclamé prophète. Et ils m'ont aussi dit que Ibn Abi Qahafa, c'est-à-dire Abu Bakr, l'avait aussi accepté. Talha déclare, je suis parti voir Abu Bakr et je lui ai demandé s'il suivait le saint prophète Mohammed lui. Abu Bakr m'a répondu, oui, accompagne-moi chez lui parce qu'il invite les gens vers la vérité. Talha lui a raconté l'histoire du moine. Abu Bakr et lui sont partis chez le saint prophète Mohammed lui. Talha a embrassé l'islam et il a relaté tout ce que lui avait dit le moine. Le saint prophète Mohammed lui était très content d'en entendre parler. Ces récits ont été tirés du recueil Tabaqatul Kubra. Quand Talha a embrassé l'islam, Nawfal bin Khuwaylid Adawiya l'a ligoté avec Abu Bakr. C'est pour cette raison que Talha et Abu Bakr étaient connus comme les deux compagnons. Nawfal était connu pour sa dureté parmi les Qurayshites. Parmi ceux qui avaient ligoté Talha, il y avait aussi son frère. Son frère, nommé Ousmane bin Ubaydullah. Il l'avait ligoté afin qu'il ne puisse pas se présenter au saint prophète Mohammed et afin qu'il abandonne l'islam. L'imam Bayhiki relate que le saint prophète Mohammed avait prié « Ô Allah, protège-les contre les méchancetés d'Adawiyya ». Masoud bin Khirash relate « Je faisais des va-et-vient entre Safa et Marwa quand j'ai vu une foule en train de poursuivre un jeune homme dont la main était ligotée au cou. J'ai demandé qui est-ce et les gens ont répondu « Il s'agit de Talha bin Ubaydullah. Il a abandonné sa religion et sa mère le poursuivait en l'insultant. » Le père d'Abdullah bin Saad relate que le saint prophète Mohammed sortait de la vallée de Khirar, située non loin du Hijaz, lors de son émigration. On dit aussi qu'il s'agissait d'une des vallées de Médine. En tout cas, Talha bin Ubaydullah, accompagnant une caravane, était venu à la rencontre du saint prophète Mohammed le matin. Il a offert au saint prophète Mohammed et à Abu Bakr des vêtements de la Syrie et il a informé le saint prophète que les gens de Médine l'attendaient depuis fort longtemps. Le saint prophète Mohammed a accéléré ses pas et Talha est rentré à la Mecque. Quand il a terminé son travail à la Mecque, il est parti pour Médine avec les membres de la famille d'Abu Bakr. Quand Talha et Zubair avaient embrassé l'islam, le saint prophète Mohammed avait établi un lien de fraternité entre les deux avant l'émigration. Et quand les musulmans se sont établis à Médine, le saint prophète Mohammed a établi un lien de fraternité entre Talha et Abu Ayyub Ansari. Selon un deuxième récit, le saint prophète Mohammed aurait établi ce lien de fraternité entre Talha et Saïd bin Zayd. Mais selon un troisième récit, le saint prophète aurait établi ce lien de fraternité entre Talha et Ubay bin Ka'b. Quand Talha s'est établi à Médine,
il a logé chez Asad bin Zarara. En raison de ses sacrifices financiers, le saint prophète Mohammed lui avait donné le titre de généreux. En effet, il était très généreux. Ainsi, lors de l'expédition de Ziqard, le saint prophète Mohammed a traversé devant une source d'eau et il s'est enquis à ce propos. On l'a informé qu'elle était nommée Bissan et que son eau était saumâtre. Le saint prophète Mohammed l'a nommée Norman et a déclaré que son eau est douce et pure. Talha bin Ubaydullah a acheté cette source d'eau et l'a offert à la communauté. Et son eau est devenue douce. Quand il a rapporté cela au saint prophète Mohammed, le saint prophète Mohammed lui a dit qu'il était très généreux. À partir de ce jour, Talha était connu comme le généreux. Moussa bin Talha rapporte de son père Talha que le saint prophète Mohammed lui avait donné le nom de Talha al-Khair, Talha le généreux, le jour de la bataille d'Uhud. Le saint prophète Mohammed lui avait donné le nom de Talha al-Fayyad au cours des expéditions de Tabouk et de Ziqard. Et le jour de la bataille de Hunayn, le saint prophète, lui a donné le nom de Talha al-Jud, qui signifie aussi le généreux. Sayyid bin Zayd relate qu'il était en compagnie de Talha quand ils étaient en voyage ou pas, et que Talha était le plus généreux en termes d'argent, de vêtements et de nourriture. Le jour de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui avait demandé à un groupe de musulmans de lui jurer de se battre jusqu'à la mort, quand apparemment les musulmans avaient battu en retraite. Ses compagnons étaient fermes et ils avaient mis leur vie en jeu afin de défendre le saint prophète Mohammed tant et si bien que certains d'entre eux sont tombés en martyr. Ceux qui lui avaient prêté allégeance sont Abu Bakr, Omar, Talha, Sa'd, Sahal bin Hunayf et Abu Dajana. Talha était aux côtés du saint prophète le jour de la bataille d'Uhud. Il était de ceux qui n'avaient pas reculé en compagnie du saint prophète Mohammed et qui lui avaient prêté allégeance de se battre jusqu'à mourir. Malik bin Zuhair a envoyé une flèche sur le saint prophète et Talha a placé sa main devant son visage afin de le protéger. La flèche a touché l'auriculaire de Talha et l'a estropié. Quand la première flèche a touché Talha, il a légèrement gémi. Le saint prophète, a déclaré que s'il avait récité la basmala, il serait entré au paradis sous les regards de tout le monde. Selon un recueil de l'histoire, le jour de la bataille d'Uhud, un politiste avait blessé Talha deux reprises sur la tête. La première fois lorsqu'il avançait dans sa direction et la deuxième fois lorsqu'il s'était détourné de lui. Et il saignait abondamment de ses blessures. Qais bin Abu Hadama présente d'autres détails à propos de ce récit dans la Sirat al-Harbiya. Il relate, le jour de la bataille d'Uhud, j'ai vu la main estropiée de Talha bin Ubaydullah, avec laquelle il avait protégé le saint prophète, des flèches. Selon un récit, il aurait reçu un coup de lance dans cette main et il avait saigné si abondamment qu'il avait perdu connaissance. Abu Bakr l'a aspergé le visage d'un peu d'eau jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Dès qu'il a repris connaissance, il a demandé à propos du saint prophète Mohammed, Abu Bakr l'a informé que le saint prophète était sain et sauf et que c'était l'envoyé d'Allah qu'il avait envoyé auprès de lui. Talha a répondu, « Toutes les louanges appartiennent à Allah. Tout malheur n'a aucune importance si le saint prophète Mohammed est vivant. » Un autre recueil d'histoire relate ainsi le même récit. Zubair relate que le saint prophète Mohammed portait deux cottes de maille le jour de la bataille d'Uhud.
Il a voulu gravir sur un rocher, mais il n'a pas pu le faire en raison du poids de son armure et des blessures qu'il avait reçues à la tête et au visage. Des blessures qui saignaient abondamment et qui l'avaient affaibli. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a demandé à Talha de se placer au sol et il a grimpé sur le rocher en plaçant son pied sur lui. Zubair ajoute que le saint prophète Mohammed B.S.A. lui avait déclaré que Talha mériterait le paradis pour son acte. Selon un autre récit, Talha boitait d'un pied et il n'arrivait pas à marcher correctement. Quand il a porté le saint prophète Mohammed P.S.A. lui, il a fait de son mieux pour bien placer ses pas, afin que son boitement n'affecte pas le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Par la suite, il ne boitait plus du pied. Aïcha et Oum Ishaq étaient les deux filles de Talha et elles relatent ceci. Le jour de la bataille d'Uhud, notre père avait reçu 24 blessures, dont une qui était de forme carrée à la tête. Une veine de son pied a été tranchée. Un doigt a été estroprié et il avait reçu d'autres blessures au corps et il s'était évanoui. Les deux dents du saint prophète Mohammed P.S.A. lui ont été cassées et il était aussi blessé au visage et il s'était évanoui. Talha l'avait porté sur son dos et marchait à reculons et se battait contre tout polythéiste qu'il croisait et il l'a porté dans une passe et l'a adossé à un support. Ce récit est tiré de Tabaqatul Kubra. Hazrat Muslim Maud Aradutalanhu a décrit l'attaque soudaine lancée par Khalid bin Walid lors de la bataille d'Uhud et la dispersion des musulmans, en puisant dans différentes sources historiques. Il explique davantage les récits précédents et décrit la détermination et le sacrifice extraordinaire de Talha. Les récits précédents mettent en exergue ces faits, mais ici, Hazrat Muslim Maud explique cela davantage. Il déclare que quelques compagnons ont fait un cercle autour du saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Il n'était pas plus de 30. L'armée des mécréants les a attaqués brutalement à l'endroit où se trouvait le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Un par un, les compagnons du cercle tombaient sous les coups des Mécois. En sus des attaques lancées par les épées de la colline, les archers lançaient des volées de flèches contre le saint prophète Mohammed P.S.A. lui. C'est alors que Talha, l'un des Quraychites et des Muhajirines, a vu que les flèches ennemies étaient toutes dirigées contre le visage du saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Il a étendu la main devant le visage du saint prophète P.S.A. lui, de façon à le protéger. L'une après l'autre, les flèches frappèrent la main de Talha, qui pourtant ne l'a pas baissée, bien que chaque coup porté avait transpercé la main de Talha et l'avait rendue complètement mutilée. Talha avait perdu sa main et il avait fini ses jours avec un moignon. Plusieurs années plus tard, à l'époque du quatrième calife de l'islam, alors que des dissensions internes avaient éclaté, un ennemi décrivait sarcastiquement Talha comme « l'homme sans main ». L'un de ses amis a répondu « sans main, oui, mais sais-tu où est-ce qu'il l'a perdu ?» C'est lors de la bataille d'Uhud où cette main avait protégé le visage du saint prophète Mohammed P.S.A. lui contre les flèches ennemies. Après la bataille d'Uhud, des amis de Talha lui ont demandé « Est-ce que ta main ne te faisait pas souffrir sous les coups des flèches? Est-ce que la douleur ne te faisait pas crier ?» Talha a répondu « Elle me faisait souffrir et j'ai presque crié. Mais j'ai résisté parce que je savais que si je déplaçais ma main, même à peine, j'exposerai le visage du saint prophète Mohammed P.S.A. lui à la volée des flèches ennemies. » Après l'expédition de Hamra ul-Assad, lorsque le saint prophète P.S.A. lui
est retourné de la poursuite de l'ennemi. Il a rencontré Talha bin Ubaidullah et il lui a demandé « Où sont tes armes ?» Talha a répondu « Elles ne sont pas très loin. » Et il est parti rapidement prendre ses armes, tandis qu'il n'avait rien qu'à la poitrine, 9 blessures reçues à Uhud. Et il avait plus de 17 blessures sur le corps tout entier. Talha relate « Je m'inquiétais davantage du saint prophète Mohammed lui que de mes propres blessures. Le saint prophète Mohammed lui m'a demandé « Est-ce que tu as vu l'ennemi ?» J'ai répondu « Dans la région de Nashibi. » Il a commenté « Je suis du même avis. » En ce qui concerne les Quraychites, ils n'auront jamais pareille occasion contre nous à l'avenir, jusqu'à ce qu'Allah nous accorde la victoire sur la Mecque. Avant l'expédition de Tabouk, le saint prophète Mohammed a su que certains hypocrites se réunissaient dans la maison de Souaylim le Juif, sa maison qui était située dans les environs de Jassoum. Jassoum, qu'on appelait aussi le puits de Jassim. Il s'agissait d'un puits appartenant à Abu Haytham bin Tayyihan, un puits qui était situé sur la route vers la Syrie, dans les environs de Ratij. Son eau était très désaltérante et le saint prophète Mohammed en a bu. En tout cas, les hypocrites réunissaient dans la maison de Souaylim et Souaylim les décourageait d'accompagner le saint prophète à la bataille de Tabouk. Le saint prophète Mohammed a envoyé Talha et quelques compagnons chez Souaylim et il leur a ordonné d'incendier la maison de Souaylim. Talha a obtempéré. Dirhak bin Khalifa a pris la fuite de la maison et il s'est brisé la jambe en cours de route et ses autres compagnons avaient pris la fuite. Ali relate, « J'ai entendu le saint prophète Mohammed déclarer que Talha et Zubair seraient mes deux voisins au paradis. » Ka'b bin Malik était de ceux qui étaient restés en arrière lors de l'expédition de Tabouk. Il a été boycotté. Après 40 jours, Allah a accepté son repentir et a annoncé son absolution. Lorsqu'il s'est présenté au saint prophète Mohammed, Talha s'est avancé pour lui serrer la main et il l'a félicité. Personne d'autre de l'assistance ne s'était levé pour le faire. Ka'b déclare qu'il n'oubliera jamais cette faveur de Talha. Saïd bin Zayd relate ceci, « Je témoigne que 9 personnes mériteront le paradis et je ne serai pas pécheur si je donne le même témoignage à propos de la 10e personne. » On lui a demandé « Comment était-ce possible ?» Il a répondu, « Nous étions en compagnie du saint prophète Mohammed sur le mont Hira lorsque ce dernier a secoué. » Le saint prophète a déclaré, « Ne bouge pas au Hira. Certainement, il se trouve sur toi qu'un prophète et des siddiqines et des shuhada. » On lui a demandé qui étaient ces personnes. Saïd a répondu, « Il y avait le saint prophète Mohammed Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad et Abdurrahman bin Auf. Ils étaient 9 en tout. On lui a demandé qui était le 10e. Après avoir hésité un peu, Sa'ad bin Zayd a répondu, « Je suis le 10e. » C'est-à-dire, la 10e personne était Saïd bin Zayd. Saïd bin Jubair relate ceci, « Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Saïd bin Zayd se battaient devant le saint prophète Mohammed lors de la bataille et il se tenait derrière lui lors de la swala. Jabir bin Abdullah relate que le saint prophète Mohammed avait déclaré « Celui qui souhaite voir un martyr vivant, eh bien qu'il regarde Talha bin Ubaidullah. »
Moussa bin Talha et Issa bin Talha relatent que leur père racontait qu'un bédouin avait demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à qui s'appliquait le verset qui affirme Man qadwa nahbahu, c'est-à-dire ceux qui ont respecté leurs promesses. Lorsque le bédouin a posé cette question, le saint prophète, paix soit sur lui, ne lui a pas répondu la première fois. Il a posé la même question une deuxième fois, une troisième fois, mais le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, ne lui a pas répondu. Talha ajoute, « Quand je suis apparu à la porte de la mosquée portant des vêtements verts, le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, a demandé où se trouve celui qui posait la question à propos de qui s'applique le verset « Man qadwa nahbahu » L'arabe a répondu « Je suis là, ô envoyé d'Allah ». Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a indiqué dans ma direction, c'est-à-dire dans la direction de Talha, et il a déclaré « Voici celui à qui s'applique ce verset « Man qadwa nahbahu » Abdurrahman bin Othman relate ceci. Nous étions en compagnie de Talha bin Ubaidullah. Nous portions l'ihram et quelqu'un nous a offert un oiseau en guise de présent. Certains d'entre nous ont mangé cet oiseau et d'autres ne l'ont pas fait. Quand Talha s'est réveillé, il était d'accord avec ceux qui avaient consommé cet oiseau et il a déclaré nous avions mangé les proies attrapées par les autres pendant que nous portions l'ihram et étions en compagnie du saint prophète Mohammed P.S.A.T.U.I. Aslam, l'esclave affranchi d'Omar, relate que le calife Omar avait vu deux vêtements teints d'ocre sur le visage de Talha, tandis qu'il était en état d'ihram. Omar lui a demandé pourquoi il portait des vêtements teints de couleur rouge. Talha a répondu, « Ô émir des croyants, je les teins avec de la terre. » Le calife Omar a répondu, « Ô communauté des croyants, vous êtes des imams. Les gens vont vous suivre. Si un ignorant va voir ces deux vêtements sur toi, il va dire que Talha porte des vêtements teints en état d'ihram. » C'est-à-dire, il va objecter du fait qu'il portait des vêtements de couleur au lieu du blanc, quel que soit le produit avec lequel il avait teint ses vêtements. Selon un autre récit, Omar aurait déclaré « Le meilleur vêtement pour les pèlerins portant l'ihram est le blanc. Ainsi, ne jetez pas le doute dans les esprits. » Hassan relate que Talha bin Ubaidullah avait vendu un terrain à Othman bin Affan au prix de 700 000 dirhams. Othman lui a payé cette somme. Quand Talha est retourné à la maison avec cette somme, il s'est dit, « Si une personne passe la nuit avec cette somme, qui sait quel commandement Allah émettra à son propos ?» C'est-à-dire que la mort peut frapper à n'importe quel moment. Ainsi, Talha a demandé à son émissaire de distribuer cette somme aux nécessiteux dans les rues de Médine pendant la nuit. Et le matin, il ne restait même pas un dirham de cette somme. Ibn Jarir relate, Talha a rencontré Othman quand celui-ci sortait de la mosquée. Talha lui a dit, « Je vous devais 50 000 dirhams et je dispose à présent de cette somme. Veuillez m'envoyer quelqu'un pour récupérer cette somme. » C'est-à-dire, il lui avait emprunté cet argent et maintenant, il disposait de cette somme et il voulait le rembourser. Othman lui a dit, « Je vous ai offert cette somme en raison de votre bienveillance. » Talha est tombé en martyr lors de la bataille du Chameau. Selon un récit relaté par Qais bin Abu Hazim, Marwan bin Hakam a frappé Talha d'une flèche au genou le jour de cette bataille. Et suite à cette blessure, sa veine saignait abondamment.
Lorsqu'on compressait la veine, le sang arrêtait de couler et lorsqu'on retirait la main, cela saignait de nouveau. Talha a dit, « Je jure au nom d'Allah que nous n'avons pas été la cible à ce jour des flèches provenant de leur part. » Laissez cette blessure parce que c'est Allah qui a envoyé cette flèche. Talha bin Ubaydullah est tombé en martyr lors de la bataille de Jamal, le 10 Jamal de Thani de l'an 36 de l'Hégire. Il avait 64 ans lorsqu'il est tombé en martyr et selon un autre récit, il aurait 62 ans. Saïd bin Moussaïeb rapporte qu'un homme médisait au sujet d'Ali, de Talha et de Zubair. Sa'd bin Malik, c'est-à-dire Sa'd bin Abi Waqqas, lui a demandé d'arrêter cela et il a ajouté « Ne dis pas du mal de mes frères ». Mais l'autre continua de le faire. Sa'd s'est levé, il accomplit deux rakats de prière, ensuite il a prié « Oh Allah, si ces calomnies méritent ta colère, alors faire en sorte qu'un châtiment s'abatte sur lui devant mes yeux et faisant une leçon pour le monde ». Lorsque cet homme est sorti, il a rencontré sur son chemin un chameau qui courait en blessant les gens. Ce chameau a attaqué cet homme sur un terrain très caillouteux. Le chameau l'a coincé entre son corps et le sol et l'a tué en l'écrasant. Le rapporteur a déclaré que les gens marchaient vers Sa'd et lui disaient « « Oh, Abu Ishaq, félicitations, ta prière a été acceptée. » Ali bin Zayd rapporte de son père qu'un homme avait vu Talha dans son rêve qui lui disait « Déplace ma tombe à un autre endroit car l'eau me cause beaucoup de souffrance. » Il a vu ce rêve une deuxième fois et il a vu ce rêve une troisième fois. Cet homme s'est rendu chez Ibn Abbas et lui a relaté son rêve. Les gens sont partis voir la dépouille de Talha. Ils ont vu que la partie de son corps qui était en contact avec le sol était devenue verte. Les gens ont exhumé le corps de Talha et l'ont enterré ailleurs. Le rapporteur a déclaré qu'il pouvait encore voir le camphre qu'il avait sur ses deux yeux et il n'avait aucunement changé. Seuls ses cheveux avaient subi un changement et ils n'étaient plus à leur place. Les gens ont acheté une maison parmi les maisons d'Abu Bakr au prix de 10 000 dirhams et ils y ont enterré Talha. Talha bin Ubaydullah récoltait entre 400 000 à 500 000 dirhams de graines de ses terres qu'il possédait en Irak. Et il récoltait au minimum 10 000 dirhams de graines des terres qu'il possédait dans la région de Sarra, qui est une chaîne de montagnes qui s'étend à l'ouest du nord jusqu'au sud de l'Arabie, qu'on appelle du Boulousara. Il récoltait également des graines de ses autres terres. Talha a aidé tous les nécessiteux de la tribu Banu Taïm ainsi que leurs familles, et il s'était chargé de marier toutes leurs veuves. Et il a également aidé les personnes qui étaient endettées en remboursant leurs dettes à leurs créanciers. Chaque année, lorsqu'il obtenait ses revenus grâce à ses graines et ses récoltes, il envoyait 10 000 dirhams à Aïcha. Mawia a demandé à Moussa bin Talha quelle quantité de biens avait laissé Abu Muhammad, c'est-à-dire Talha bin Ubaydullah. Il a répondu qu'il avait laissé 2 200 000 dirhams et 200 000 dinars. Tous ses revenus provenaient de ces graines qu'il récoltait de ses différentes terres. Comme je l'ai mentionné, il est tombé en martyr lors de la bataille du Jamal. Je présenterai, Inch'Allah, ce récit en détail prochainement. Ces faits méritent d'être relatés séparément afin qu'on puisse obtenir les réponses aux questions qu'on peut avoir à l'esprit à ce sujet. Je présenterai ces récits, Inch'Allah, prochainement. Lors de mon précédent sermon, j'avais parlé de l'épidémie du coronavirus. Il faut mettre en application les mesures préventives. Et lorsque vous vous rendez dans les bosquets, prenez vos précautions. Si vous avez de la fièvre ou si vous avez des courbatures, eh bien, veuillez ne pas fréquenter les endroits publics. Protégez votre personne et protégez aussi les autres.
et priez beaucoup, qu'Allah l'exalté protège le monde de ce fléau. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ